mesdames et messieurs les députés, chers amis, cela fait 40 ans que le peuple iranien lutte contre un régime qui a le record du monde des exécutions. Depuis que Rouhani est arrivé à la présidence en 2013, près de 4000 personnes ont été exécutées. Jusqu'à présent, sous le régime des Mollahs, il y a eu 120 000 exécutions politiques, dont 30 000 durant l'été 1988. Ce livre, qui a été publié récemment par le Mouvement pour la Justice, est une liste partielle de noms des membres de l'OMPI massacrés à cette époque. Une exposition sur ce massacre se tient actuellement près de l'Assemblée nationale. C'est le plus grand massacre politique après la Seconde Guerre mondiale. Des responsables de ce massacre occupent actuellement les postes de chef de judiciaire ou de ministre de la justice. Vous pouvez imaginer la justice en Iran. Ce régime a légalisé les discriminations contre les femmes. Il a commis le plus grand nombre d'exécutions de femmes au monde. Les femmes iraniennes ont subi les pires tortures. Actuellement, beaucoup de femmes sont emprisonnées juste pour leurs activités et leurs convictions. Malheureusement, le monde a gardé le silence sur les crimes du régime en Iran. Ce régime est aussi le facteur principal de l'instabilité et de la guerre dans la région. Ces dernières années, le monde a beaucoup entendu parler des crimes de Daesh. Ce sont les mêmes crimes que le régime iranien commet depuis 40 ans en Iran et dans les pays de la région. Les Mollahs et Daesh ont la même idéologie ennemie de l'humanité. Ils sont les mêmes dans la tyrannie et la barbarie au nom de la religion. Dans le terrorisme, l'expansionnisme et la misogynie. Quand une idéologie domine un grand pays comme l'Iran, elle est 100 fois plus dangereuse que Daesh. Daesh est le résultat des crimes de ce régime en Irak, en Syrie et aussi du silence de la communauté internationale. Si le monde ne fait rien face aux crimes, des mollahs en Iran et à l'étranger, ce régime va produire un nouveau Daesh. Le régime iranien est très inquiet de coups récents portés à Daesh. Ses pastorans et ses milices font des massacres en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. Il utilise son programme de missiles pour menacer les pays voisins. Pour faire avancer sa politique, il prend des otages et utilise ses ambassades et ses diplomates pour commettre des attentats terroristes aux États-Unis et en Europe, notamment en France. Ce régime barbare appartient au passé. L'exportation du terrorisme et du bellicisme sont ses moyens stratégiques pour
pour rester au pouvoir. C'est pour cela qu'il fait échouer tous les efforts européens, en particulier les efforts du président français pour réduire les tensions. C'est pour cela qu'il continue ses attaques contre des pétroliers dans les eaux internationales et des installations pétrolières dans les pays voisins. S'il y avait la moindre possibilité de modération dans ce régime, si le président n'était pas un instrument du guide suprême, si les dirigeants pouvaient penser aux intérêts du peuple à la place de leur survie, et si ce régime avait un minimum de stabilité, pour quelles raisons il augmente la répression et le terrorisme et rejette les propositions de la France? Le régime joue un double jeu. Avec ses initiatives pour gagner du temps, afin de poursuivre ses agressions dans la région et développer son programme balistique. Et d'un autre côté, il critique durement la France et l'Europe dans sa propagande à l'intérieur de l'Iran. C'est exactement l'expérience que nous avons faite il y a 40 ans. Si ce régime avait la moindre possibilité de réforme, nous n'aurions pas payé ce prix énorme pendant toutes ces années de résistance. L'OMPI a compris que la répression en Iran et la guerre à l'étranger étaient la seule manière pour les mollahs de rester au pouvoir. Cette dictature religieuse ne comprend que la fermeté. Les mollahs au pouvoir considèrent le silence, la flexibilité et les négociations comme un signe de faiblesse. Ils veulent faire croire que l'Europe a besoin de faire une médiation. Mais au contraire, c'est eux qui ont besoin de cette médiation. L'absence de réaction face aux violations des lois par ce régime et son bellicisme va encourager les mollahs. Chers amis, permettez-moi de résumer le résultat des derniers événements dans trois points. Ce régime ne changera jamais de conduite parce qu'il est trop faible et isolé. Changer de conduite signifie pour lui un changement de régime. Ce régime ne peut pas renoncer au bellicisme et à ses projets nucléaires et de missiles en échange de concessions économiques et politiques. Il a rejeté cette possibilité à la meilleure occasion pour lui. Sans une politique de fermeté, le régime sera plus agressif et va augmenter les tensions. Alors, quelle est la solution? La solution est de soutenir aux côtés du peuple iranien qui veut le renversement de ce régime. Les Iraniens qui manifestent et font grève dans les usines, dans les rues, et dans les villes d'Isfahan, de l'Ordegan et d'Arak sont réprimés. Ils voient la seule solution dans le départ des mollahs. Dans les manifestations, ils crient aux dirigeants du régime de laisser la Syrie. Mais les mollahs continuent de consacrer une partie importante
des revenus du pays à financer la guerre et le terrorisme en Syrie, en Irak, au Liban et au Yémen. L'économie du pays est paralysée. Le taux de croissance a chuté à près de moins 10 et le taux d'inflation est de 40 à 50%. Le régime des Mollahs connaît la plus grande crise de son existence. La dictature religieuse en Iran ne symbolise pas le peuple iranien avec sa grande histoire et sa grande culture. Honorable représentant du peuple français, il existe une alternative démocratique qui peut instaurer une république démocratique et pluraliste fondée sur la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des femmes et des hommes, l'autonomie des minorités et un Iran non nucléaire. Le Conseil national de la résistance iranienne est capable de remplacer ce régime et d'assurer une transition pacifique du pouvoir aux représentants élus du peuple iranien. Le peuple iranien et sa résistance, avec les unités de résistance, sont prêts à le faire. J'espère que la politique européenne et la France vont se tenir du côté du peuple iranien et de ses demandes légitimes. Je vous remercie. Merci.